Vendredi 28 décembre 2012, nous sommes à Ferkessé-Dougou pour la deuxième édition des Journées nationales pour la valorisation de l'agriculture en Côte d'Ivoire. La première édition s'est tenue à Abidjan en 2009 au Golf Hotel. Organisée par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, en abrégé AVA, une organisation ambitieuse au service du développement durable de l'agriculture en Côte d'Ivoire a sollicité et obtenu le parrainage du président de l'Assemblée nationale, député de Ferke Commune, pour marquer leur reconnaissance et leur soutien au monde paysan, à l'agriculture. Et c'est à Ferke, village de M. Guillaume Kibafori Soro, que AVA et ses partenaires ont donné rendez-vous aux acteurs du monde paysan. Sur l'une des artères les plus en vue de la commune, des chapiteaux sont dressés et affiches complets. Le parrain arrive sur les lieux aux environs de 9h30. Il va saluer les invités en compagnie de la présidente de AVA, l'agence pour la valorisation de l'agriculture, pour ensuite s'installer. Le temps des allocutions est donné par le troisième adjoint au maire de la commune, M. Koulibaly Aboubakar, pour le mot de bienvenue. À sa suite, le président de la Chambre d'agriculture, M. Bamba Sendou, qui remercie le parrain pour son parrainage, et Mme Jennifer Cérès pour son implication dans le monde paysan. Pour Mme Jennifer Cérès, l'agriculture est un puissant fer de lance et qui souffre de divers maux sur lesquels nous devons réfléchir pendant ces journées. Le représentant de la représentante de la FAO, M. Akavou, a fait un don symbolique à la présidente de AVA. La série des allocutions closes par M. le parrain est un véritable appel. Pourquoi chez nous ici, on ne peut pas travailler la terre et réussir? Dieu nous a donné la terre, nous a donné l'eau. Et donc, je suis convaincu qu'on peut réussir. Demain, j'invite Madame Jennifer, j'invite les différents représentants à venir avec moi pour aller dans mon champ. Cette belle journée a vu la participation de nombreuses coopératives, des associations de femmes, des professionnels en la matière, de tout genre et de toutes sortes, sont venus nombreux pour prendre part active à cette deuxième journée pour la valorisation de l'agriculture à Ferkessé-Dougou qui s'est achevée par une visite guidée de stands d'exposition. Après la cérémonie d'ouverture des journées pour la valorisation de l'agriculture, le président Guillaume Soro va se rendre à Sangopari, son village paternel, pour présenter ses parents paternels à ses amis et échanger avec eux. Il va aussi se rendre à sa plantation, vaste de 6 hectares, un verger de manguiers, d'orangers, de citronniers, des pépinières qu'il va lui-même arroser. En tenue d'agriculteur, M. Guillaume Kibafori Soro, qui a démarré cette plantation avec ses parents en 2009, de manière traditionnelle, a la vocation aujourd'hui de la mécaniser et de l'étendre. Être agriculteur pour Soro n'est pas dévalorisant. Il y est arrivé par pure conviction. Car a-t-il dit, je suis moi aussi petit-fils, fils de paysan. Pour lui, s'il faut demander aux jeunes de retourner à la terre, il faut bien y donner l'exemple. Faire ce métier par pure vocation ou par passion. Mais aussi on peut le faire dans le sens de développer un pays, une nation. Je le dis, je le répète, l'agriculture, en tout cas l'agro-pastorale, c'est le seul domaine qui emploie tout citoyen, diplômé ou non. Vous n'avez pas besoin de diplôme pour travailler la terre. Vous avez aussi besoin de personnel qualifié, des gens qui ont aussi des PhD, qui peuvent travailler la terre. Et je dis, c'est loin d'être dévalorisant d'être agriculteur. Évidemment, sur les 50 dernières années en Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont investi dans la finance, dans l'industrie, dans notre pays, et ceux qui ont investi dans la terre, les plantations, on peut faire des comparaisons. On voit bien que ceux qui ont résisté aux crises et au temps, c'est ceux qui ont investi dans la plantation. Donc moi, je voudrais encourager tous ces jeunes, au lieu de rester à ne rien faire. Vous savez, la première richesse des Ivoiriens, c'est leur terre. Au moins, je disais à un ministre américain qui était venu me voir, à l'époque j'étais premier ministre, je disais qu'il faut peut-être redéfinir les critères standards de la pauvreté. Parce qu'en Europe, c'est vrai,
Quand vous êtes dans un appartement, que vous n'avez pas une télévision, vous n'avez pas un frigo, vous n'avez pas un fer à repasser, vous n'avez pas un téléphone, on vous considère pauvre. Mais chez nous, ici en Afrique, dans mon village, vous avez vu, j'ai construit ma maison. J'ai volontairement décidé de ne pas y mettre de télévision, de ne pas y mettre autre chose, parce que ça devient, ça désocialise à un moment donné. Donc, ici, c'est vrai, nous n'avons pas de télévision, nous n'avons pas de frigo, mais nous avons la terre. Nous sommes propriétaires terriens. Et ça, c'est une richesse. Il faut valoriser cette terre-là. Et chez nous, au village, il n'y a pas de SDF. Parce que chacun a un lopin de terre et peut construire sa case. Donc je pense que c'est important, il faut bien comprendre. Et pour moi, il faut que le gouvernement ait une politique hardie, une politique agressive de l'agriculture. Et il faut que personne n'ait honte d'avoir des bottes, de venir dans son pâturage, d'aller au champ, de faire son champ et de travailler. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est l'agriculture. Il faut que nous soyons autosuffisants alimentairement. Et j'encourage vraiment mes parents, tous les jeunes, à s'y investir pleinement.